Alors, le projet consiste ici en la récupération d'un espace, d'un étage complet, d'un immeuble classique du Vieux-Port de Québec. Un immeuble extrêmement bien situé, de belles factures architecturales du début du 20e siècle. Et l'idée, c'était de créer une suite de très grandes dimensions avec une capacité d'accueil d'un niveau extrêmement luxueux pour ajouter aux produits touristiques qui existent à Québec, mais non seulement aux produits touristiques, mais aussi aux produits corporatifs également. Donc, de toute évidence, on vise avec une suite comme ici des artistes de calibre international, des chefs d'entreprise, des diplomates. Alors, avec une suite de 3200 pieds carrés, juste pour l'intérieur de la suite, qui comprend notamment 4 chambres à coucher. Quatre salles de bain, qui comprend également 2 cuisines dans la suite, plus une zone de cuisine sur la terrasse privée, entièrement privée de 2500 pieds carrés. C'était l'idée de récupérer cet espace et de le valoriser tout en respectant l'architecture du bâtiment et qu'il n'y ait pas de transition entre l'extérieur et l'intérieur. Qu'on retrouve la même chaleur, le même luxe, la même élégance qu'on retrouve à l'extérieur, qu'on la retrouve à l'intérieur également. Alors, c'était ce qui nous animait au point de départ. J'ai travaillé avec des architectes de chez Chabot Morel, donc CCM2. Monsieur Mathieu Morel et Mme Mélidia Perron, qui était la designer attitrée au projet ici. J'ai travaillé donc en étroite collaboration avec Mme Perron pour la définition des espaces, le choix des matériaux et aussi le choix des meubles, du mobilier qui composent la suite. Le style favorisé, pour respecter l'esprit classique de l'immeuble, on a décidé de se fixer sur une période qui va de la période Empire, au niveau du mobilier, jusqu'à la période, je dirais, on touche légèrement la période Art déco, mais c'est pas vraiment la période visée. On est plus dans la période Belle Époque et la période Empire.